Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous allez mieux que moi. Moi, je suis complètement embrumé, j'ai le rhume grave, mais c'est pas grave, je suis quand même au boulot. Ça avait commencé hier, mais alors là, je suis complètement bouché de partout, du nez, des oreilles. Enfin, bon, bref. Petite anecdote, je refais la vidéo que je viens de faire, voyez-vous, parce que j'ai tellement la tête dans le seau que je n'ai pas appuyé sur le bouton de lecture de la vidéo. Donc je vous ai fait une vidéo que vous ne verrez jamais car elle n'a pas été enregistrée. Et alors déjà que je suis naze, il faut que j'en refasse une. Bon, c'est pas grave. Alors ce matin, si je voulais juste vous dire, n'oubliez pas ce dimanche 17h, hein, on va essayer de faire ça tous les 15 jours, live sur YouTube. Donc on va avoir un nouvel intervenant, René. René qui est un monsieur qui a un grand, grand passé dans l'IFI. Dans la radio, qui connaît beaucoup de grands de ce monde de l'IFI, qui a une expérience à nous partager. Je pense que ça va vraiment être super sympa. On a longuement discuté ensemble. Il fait également des électroniques. Il m'a envoyé des photos. Il fait juste des produits très très propres, très beaux. Et on parlera donc. Enfin, il nous expliquera son expérience. On parlera aussi de l'IFI vintage et également de l'IFI moderne. Les différences, qu'est-ce qu'on en pense, tout ça, il nous donnera son ressenti. On aura toujours David et Eric qui seront intervenants, peut-être Moumout, j'ai un doute, parce qu'il n'est pas encore prêt, il se prépare. Alors, ce matin, qu'est-ce que je vous ai... il faut que je refasse, là. Putain, j'ai vraiment... Non, autant, ça n'a pas enregistré, là. Si, ça enregistre, là. On peut le faire 50 fois, le truc. Donc, ce matin, alors... j'ai mis ça, tout à l'heure, je vous ai fait voir, vous n'étiez pas là. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, ce matin, je vous présente... On va être sur du quad. Du quad et du French. Je vais baisser le son. Alors là, je vous ai sorti deux quads, deux blocs mono E50. Donc, c'est des amplis de puissance, blocs mono, quad, et qui sont assez rares, parce que honnêtement, et moi j'en ai pas vu beaucoup, et j'en ai eu, j'ai que ceux-là en fait, j'en ai jamais eu d'autres, et j'ai jamais eu l'opportunité d'en avoir d'autres non plus. À savoir que ça, c'est le quad 303, donc je vous l'ai mis tout à l'heure, mais comme vous étiez pas là, faut que je refasse la vidéo. Quad 303, donc vous voyez, on est exactement sur la même carlingue, hein, la même carlingue. Alors derrière, par contre, ça va être un poilounet différent. N'est-ce pas? Parce que là, on a des blocs mono. Donc ça, c'est le quad 303, donc stéréo. Et là, donc les blocs mono, on a des fiches. Alors, les Anglais sont toujours... je vais mettre de ce côté, je serai moins loin. Donc ça, il y a je ne sais combien de plots. Ça, c'est pour les deux enceintes. Et ça, donc, c'est pour le RCA qui va au préampli. Ils n'ont pas fait dans la simplicité. Ils ont fait des blocs... truc énorme, mais bon, c'est comme ça, c'est les Anglais. Alors, donc vous voyez, ils ont utilisé la même... Alors, quand on regarde, je sais pas si on va voir, on va essayer. Vous voyez, là, on voit les condos, hein, donc là, et là, le transfo. Et là, il y a deux énormes transfo. Ça pèse le poids d'un âne mort, chaque bloc, je sais pas combien de kilos ils font. Déjà, ceux-là, vous voyez, j'ai déjà du mal. Pourtant, j'ai des mains costauds. J'ai déjà du mal à le soulever, mais ceux-là, j'y arrive quand même. Mais ils sont hyper, hyper lourds. Hyper lourds. Donc, sur du TR20 CML, hein, préampli 9. TR20 CML, pareil, le deuxième. Et là, je me suis mis sur un quad 606. Donc, sachant que ceux-là, ils sont plus des années 70, limite 80 de mémoire. Et ceux-là, c'est plutôt 86, 87, 93, de mémoire également. Donc, je me suis mis sur deux préamplis CML. Et puis, on va comparer ces deux amplis de même marque. Enfin, ces deux amplifications de même marque qui n'ont pas les mêmes années. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout la même signature sonore. Alors, je tiens à préciser que j'ai mis ces préamplis. Ce n'est pas forcément les préamplis qui vont le mieux avec ces amplis. Mais quand on veut comparer des amplis de puissance, par définition, autant les mettre sur les mêmes préamplis, parce que sinon, ça ne marche pas bien la comparaison.
N'est-ce pas? C'est pas une comparaison comparative. Enfin, je vais me taire. Je vais me taire. On va se taire. Allez, donc je vais vous mettre ça. Hop. Là. Je vais mettre plusieurs musiques. Alors du coup, bah, j'en ai mis tout à l'heure, mais je suis obligé d'en remettre. Oh. J'ai la tête dans le seau, mes amis. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah bah j'avais peut-être mis ça. Allez, donc on va commencer sur le... Oh, j'ai déjà dit plein de trucs tout à l'heure, faut que je recommence. Je suis vert. On commence sur celui-là. Donc la piano, je vais vous remettre deux fois le piano. Oh là 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 là, ça va pas ce matin les enfants, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je suis paumé. Allez, c'est parti. Celui-là. Thank you.
Ouais, je la fais pas trop longue, hein, parce que franchement. Alors, je sais pas si vous avez remarqué. Alors, je le redis, on est sur deux préamplis TR-20 CML. Ce sont des amplis classe A qui sont assez droits quand même, hein. Donc, c'est pas forcément la meilleure association. Mais comme quad, ça a tendance à être assez enveloppant, assez doux. Pas rond comme Marantz, mais doux, l'association peut être pas mal. Ceci étant, il y a aussi une histoire d'enceinte, comme d'habitude. Je me répète et je me répète, mais je me répète même par message, je me répète en vidéo, je me répète devant les clients. Il y a une incidence ampli, préampli et enceinte. Donc les accords ne sont pas forcément parfaits quand je vous les fais, et surtout peut-être pas parfaits à votre oreille. Ce que moi, ce que j'ai perçu malgré mes oreilles complètement bouchées, c'est que sur les deux blocs mono, on était un peu plus enveloppé, un son un peu moins saillant, des basses un peu plus chaleureuses, je dirais, une écoute un peu plus chaleureuse, un peu plus pas cocooning, parce qu'on n'est pas, on a, y a quand même beaucoup de Il y a quand même des bons impacts et tout, mais une certaine douceur qui me déplaît pas. Alors que sur le quad 606, alors je dis, voilà, j'ai pas Louis qui est en place. Hein. Sur le 606, je trouvais qu'il accrochait un petit peu. Voilà, des basses plus tendues, certes, mais un peu agressif. Tout à l'heure, j'ai écouté des voix, sachant que là, on était sur les studios 3. Les studios 3 ont quand même une petite tendance à une proéminence sur les médiums. Et sur certaines voies, j'ai trouvé que le quad 606, il relevait encore ça un peu trop. Et ça ne m'a pas forcément plu. Donc l'association CML 606, sur ces enceintes, ce n'est pas mon meilleur choix que je ferais personnellement. Je trouve cet accord là-bas beaucoup plus équilibré, plus sympathique, plus chaleureux et moins agressif à l'oreille. Voilà, tout en restant de très bons appareils. Et voilà, c'est. À la rigueur, l'été, tu mets ça dehors. Non, je déconne. Et l'hiver, tu mets ça au bord de la cheminée, quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo à l'atelier, parce que c'est pas parce que je suis malade que je vais glander, bien évidemment. Même si je me caille là-bas dedans. Remarquez, je suis tout le temps au froid. Alors, c'est sûr qu'à choper le rhume. De 5h du matin à 19h, je suis au froid, même le samedi et le week-end. En plus, je travaille en slip chez moi, c'est pire. C'est pour ça que j'ai mal aux oreilles. Moi, je vais peut-être vous faire une petite vidéo tout à l'heure. N'oubliez pas le live dimanche à 17h avec René. Vous allez être surpris, c'est vraiment. Je pense que ça va être un super live. À bientôt, j'ai des frissons. Allez, à tout à l'heure. C'est Radio Moumoute, la radio que tout le monde écoute. Je vous remets un peu de musique parce que là, je suis. Je vais pas vous abandonner comme ça. Bonne journée à tous sur Radio Moumoute.